Eh bien, salut les amis, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo chicha. Et aujourd'hui, je vais vous présenter pour moi la meilleure chicha de 2020, même si ça fait maintenant 2 ans qu'elle est sortie jour pour jour. Donc, je vous parle exactement de la Tsar Alexander V2, qui est une chicha en acier inoxydable et qui a exactement 4 connecteurs en 18-8. Donc voilà, donc j'ai les deux ici. Donc j'ai la première du nom, ça a vraiment été le premier modèle. Et là, j'ai récemment acheté la Alexander V2, mais en édition gold. Donc c'est une chicha qui fait 60 cm de haut et elle est équipée, elle est composée d'un verre stainless, ils appellent ça. Donc c'est un verre super épais. Même si vous allez voir que celle-ci, le verre est vraiment complètement explosé. Mais ça fait 2 ans que je l'ai et j'en parlerai juste après dans cette vidéo. Donc, tous les composants de cette chicha-là, ils sont démontables pour un nettoyage rapide et efficace. Donc la chicha, elle est composée d'une bague pleine à l'intérieur. Comme ça, on va pouvoir évacuer facilement la fumée qui va stagner pendant qu'on va fumer. Donc voilà, donc comme vous pouvez voir ici, j'ai vraiment désossé la chicha. Donc quand vous l'achetez en magasin, vous allez la recevoir comme ceci. Donc là, on va voir en premièrement l'assiette ou le cendrier de la marque Tsar qui va être celle-ci pliable et qui, de toute façon, la chicha elle est full en acier inoxydable, donc normalement la couleur elle devrait pas se barrer ou quoi que ce soit. Là on va avoir le petit diffuseur qui fait bien le taf, vous verrez par la suite. Là le connecteur mâle qui va être le connecteur pour le foyer, du coup tous les foyers de type femelle qui va pouvoir accueillir du mâle, on va dire. Là ici le connecteur 18-8 pour qui vient ici pour l'assiette. Là on a la fameuse colonne, donc colonne pareil en gold, franchement elle claque sa mère en gold, je kiffe. Donc là on va avoir notre plongeur et dessus on va pouvoir mettre le fameux diffuseur. Là ici on a les 4 sorties de tuyaux et là ici on va avoir la bague qui est une bague plate comme vous voyez à l'intérieur. Comme ça on va pouvoir vider vraiment la fumée comme je l'ai précisé tout à l'heure. Et avec, on a aussi un connecteur tuyau, mais là, le connecteur tuyau, il est directement sur le manche, sur le tuyau silicone. Et du coup, je vous ferai voir ça après. Et là, le fameux vase. Donc, ce vase, il est très épais et très résistant, par contre. Et comme vous voyez sur celle-ci, voilà. Malheureusement, j'ai commencé à avoir une fissure à partir d'ici. Et la fissure, elle a continué à s'allonger jusqu'en dessous. Donc c'est pour ça que là je vais commander un nouveau vase pour celle-ci, pour qu'elle soit réparée. Il faut savoir que ça fait plus de 6 mois qu'elle est dans cet état-là où il y avait une première fissure. Elle a continué à se fissurer, mais en sachant que en 6 mois il y a quasiment eu 200 sessions dessus de fait. Donc franchement le verre il est très très épais. Et c'est pour ça que la qualité de ça, franchement c'est une très très bonne qualité, que ce soit qualité verre ou qualité du matériau comme là l'acier inoxydable. Donc voilà, donc il faut savoir que la chicha à vide, elle fait 3 kg 750 grammes exactement et que ce modèle-ci il existe en 4 coloris. Donc on va avoir la clear qui est celle-ci qui est pour moi très magnifique et comme ça on va pouvoir jouer avec le colorant. Il y a aussi le modèle shiny clear, le modèle shiny blue et le modèle black. Donc voilà, donc cette chicha-là, il va exister en plusieurs variantes. C'est un peu comme le Covid, il y a des variants un peu à gauche à droite. Il va y avoir la Luxury Black, la Snow White, la Midnight et la Gold Edition qui est juste là. Et la All Black, c'est une full noir mat. C'est un modèle que je kifferais peut-être avoir et qu'on sait jamais, qui va peut-être arriver sur la chaîne. Encore. Ça fait beaucoup là, non? Donc tous les composants de la chicha, ils sont disponibles directement sur leur site Mr. Smoke, hein, parce que Mr. Smoke, ils travaillent, ils collaborent beaucoup avec la marque de Tsar. Donc tous les composants, ils vont être là. Donc là, vous allez me dire, mais pourquoi t'as deux sœurs? Ça sert à rien, t'as les deux. Ouais, sauf que déjà, c'est le fait d'être passionné, d'en avoir plusieurs. Et c'est le fait aussi que je vais pouvoir jouer dans la customisation, comme par exemple les connecteurs tuyaux qui vont être ici. Je vais pouvoir les prendre et les mettre directement sur l'une et l'autre. Et ça pourrait faire une customisation. Tu travailles au garçon. Allez, je m'énerve. Et ça pourrait faire une putain de customisation, franchement. Regardez ce que ça fait. Bon, après, il faut changer les 4 d'un coup. Hein, mais non, je trouve que ça pourrait faire pas mal. Franchement, il y a de quoi faire des belles customisations et des trucs franchement très propres. Après, il faut jauger avec. Les tuyaux, les foyers, tout ça, mais il y a vraiment un tas de customisations inimaginables. Voilà, donc je vais vous dire pourquoi, pour moi, c'est ma préférée en termes de la chicha pour l'année 2020. Pourquoi 2020? Déjà, ça fait 2 ans qu'elle est sortie. Et pourquoi 2020? Parce qu'au bout de 2 ans,
je me rends compte qu'avec tous les variants, tous les coloris, je pense qu'ils en optent vraiment pour tous les goûts. En sachant qu'on peut faire, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, des customisations qui sont improbables. Je pense qu'il y a vraiment de quoi faire des beaux trucs dessus. Déjà, commencer par la fluidité de la chicha. Quand on va fumer, on va avoir une fluidité assez incroyable et vraiment fluide de chez fluide grâce à son diffuseur. Voilà, après, que dire de plus, que dire de moins sur cette chicha, je ne sais pas. Le fait d'en avoir deux, bah, comme je vous ai dit, c'est la customisation. Donc voilà, donc la seule différence qu'il va y avoir sur chacune de l'autre, ça va être tout simplement, bah, déjà la couleur. Et puis le logo qui va changer. On va avoir le tout premier logo d'il y a 2 ans de Tsar. Et bien sûr, le dernier logo qu'il y a à ce jour, donc le dernier logo de chez Tsar. Donc là, ce que je vous propose, c'est que je vais aller préparer une petite session. Je pense que ça va partir sur un petit Provost. Franchement, un Provost, c'est super cool, ça, un Provost. Je vais vous filmer tout ça. Surtout, juste avant de continuer la vidéo, je vous invite à liker, à partager, comme d'habitude, à vous abonner, parce que j'ai vu qu'il y avait pas mal de gens qui n'étaient pas abonnés à la chaîne, et ça, c'est assez dommage. Il y a 20% de gens abonnés qui regardent mes vidéos, et du coup, il y a 80% de gens qui ne sont pas abonnés et qui regardent mes vidéos. Et qu'est-ce que vous attendez, les gars? Allez-y, abonnez-vous. Yeah. Never was a thug, just infatuated with guns. Never was a gangster till I graduated to one and got the rap of a villain, the weapon concealing. Took the image of a thug, captured a villain, willing to stick out my neck for respect if it meant life or death. Never lived to regret what I said. When you're me, people just wanna see if it's true, if it's you. What you say in your rap, what you do, so they feel it's part of your obligation to fulfill. When they see you on the streets, face to face, and you're for real. In confrontation, ain't no conversation if you feel you're in violation. Any hesitation to get you killed, if you feel it, kill it. If you conceal it, reveal it. Being reasonable will leave you full of bullets. Pull it, squeeze it till it's empty. Push me, pussies. I need a good reason to give this trigger a good squeeze. I'm a soldier. These shoulders hold up so much they won't budge. I'll never fall or fold up. I'm a soldier. Even if my collarbones crush or crumble, I will never slip or stumble. I'm a soldier. These shoulders hold up so much they won't budge. I'll never fall or fold up. I'm a soldier. Even if my collarbones crush or crumble, I will never stumble. I love pissing you off. Get. It's lit. Just take a look at the drip. You boys don't get fired in this. Roll a dope, yeah, I'm high as a bitch. Wait, it's lit. Get that little bitch a little tip. Now she wanna suck on the dick. She wanna catch all of the drip. Voilà les amis, ça y est, la chale est prête. J'ai commencé du coup à tirer dessus parce que les charbons ils envoyaient à fond les ballons. Donc voilà, petite config, j'ai acheté aussi un beau tuyau silicone pour être assorti à la chale. J'ai mis un peu de collant rouge en même temps. J'ai acheté aussi le manche premium Tsar en carbone en 40 cm et de la couleur aussi or. Voilà, pour rendre aussi avec la chicha. Maintenant, je vais voir comment elle filme, du coup, cette chiche. Mais vous allez voir, franchement, si vous voulez vraiment acheter une chicha entre 150 et 200 euros, elle vaut un peu moins de 200 euros, la Gold. Elle est à 160 euros, je crois, exactement. Mais celle-ci, la Tsar normale, je sais plus, elle est un peu moins chère, de 150 euros. Et franchement, je vous conseille, allez-y, foncez. Franchement, vous serez pas déçus, vous avez vraiment de la qualité. Maintenant, on va voir comment elle filme, cette petite chiche. I'm clever as shit. Still can trap any weather I'm in. Throw me work and I'm making it flip. What a whippy, you might get sick. Throw me extra, you know we gon' win. Donc voilà, on peut voir que ça fume de ouf. De toute façon, les prépas Provost, si vous faites une bonne prépa, toutes les prépas, comme j'ai dit, toutes les prépas ils peuvent fumer. Enfin, toutes les chichas, pardon, ils peuvent fumer. C'est juste la prépa qui va faire que votre chicha va fumer. Roll a dope, yeah, I'm high as a bitch. Wait, it's lit. Get that little bitch a little tip. Now she wanna suck on the dick. She wanna catch all of the drip, drip, drip. Pull up and I'm loading the clip. New bitch here, stay on my hip. Niggas talking, they not with this shit. Catch a body, you might get hit. But lately been all about drip. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Merci à tous de l'avoir regardé. N'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager comme d'habitude. Parce que comme je vous dis, il y a beaucoup de gens qui sont pas abonnés à la chaîne. C'est vraiment dommage. Plus on est, plus on rit et plus il y aura de projets sur la chaîne YouTube. Pour les motards, ça arrive très très vite, vous inquiétez pas, la moto elle est vendue depuis déjà 2 mois. Je pense faire une vidéo aussi sur la moto. Encore une fois, n'hésitez pas à liker si ça vous a plu. Encore une fois, j'essaie de prendre vraiment mon temps, faire des beaux plans, tout ça, faire vraiment ça propre. C'était A2X, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.
Gave that little bitch a little tip. Now she wanna suck on the dick. She wanna catch all of the drip, drip, drip. Pull up and I'm loading the clip. New bitch, yeah, stay on my hip. Niggas talking, they not with this shit. Catch a body, you might just get hit. But lately been all about drip.